Latifa Sbitou, donc je suis infirmière à Nantes dans un réseau ville-hôpital qui intègre un DAC sur le département de la Loire-Atlantique. Avec ma collègue Stéphanie Moreau, on a tenté de simuler des situations d'éducation thérapeutique, séance d'éducation thérapeutique avec un patient expert qui s'est prêté au jeu de rôle pour mettre en évidence à quoi ressemble une séance d'éducation thérapeutique. Mettre en avant la posture d'éducation, montrer comment on adapte une communication tant sur les messages qu'on a envie de délivrer dans l'éducation thérapeutique auprès des insuffisants cardiaques que dans la façon dont on va les délivrer pour se mettre à la portée du patient en fonction de ce qu'il connaît, ce qu'il ne connaît pas. Ce type d'atelier, c'est intéressant de pouvoir échanger sur les pratiques d'éducation avec un public qui est plus ou moins lancé dans la pratique, pouvoir relever comment ça se passe dans un centre ou dans un autre. Dans cet atelier, c'était aussi l'occasion d'expliquer quelle peut être la place d'un patient expert dans des programmes d'éducation thérapeutique, ce qu'il peut relever lui de la position du patient qui a reçu une éducation ou pas. Beaucoup de choses à apprendre des patients, comme nous on essaye de leur apporter quelque chose. Les patients nous renvoient aussi beaucoup dans notre rôle de soignant éducateur. Donc c'est un travail commun.